Salut à tous les Gameblogueurs, bienvenue sur Gameblog pour cette petite vidéo découverte sur Plantes vs Zombies Garden Warfare 2. C'est toujours la guerre entre les plantes et les zombies et on va aller découvrir ce deuxième épisode ensemble. En tout cas, merci d'être avec moi, j'espère que ça va bien de votre côté. On va découvrir ce second épisode en quelques minutes. Je vais vous montrer un petit peu ce que nous offre comme possibilité Front de Jardin, qui va donc être votre base florale. Vous allez voir, c'est très sympa, on va pouvoir faire plein de petites choses à l'intérieur. Et puis, évidemment, le mode multi. On a de nouveaux modes de jeu, on a de nouveaux personnages avec de nouvelles capacités. Ça va être très très cool. Allez, on se lance tout de suite. Hop, là vous voyez, donc j'incarne un petit maïs, d'ailleurs c'est son nom, petit maïs. Il fait partie des nouveaux arrivants au casting, il est vraiment très très cool, il est très marrant, regardez, hop, en plus il peut faire des sauts comme ça, retourner, il est plutôt véloce, plutôt rapide, donc c'est vraiment un des personnages que j'ai apprécié. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce front de jardin? Eh bien, front de jardin, c'est votre QG. Donc, on va pouvoir faire tout un tas de choses, comme par exemple, améliorer et personnaliser vos personnages. Regardez, par exemple, là, donc on rentre dans le petit salon d'essayage. On va pouvoir donc choisir voilà, diverses plantes. On a aussi Rose, hein, qui fait partie des nouveaux, qui est une sorcière florale avec des pouvoirs mystiques. Elle est plutôt cool, mais je préfère petit maïs, personnellement. Et puis, on va pouvoir aussi passer du côté des zombies. Dans les zombies, on va avoir Diablotin. Diablotin, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Si d'ailleurs vous avez eu l'occasion d'aller lire mon test sur Gameblog, il est disponible actuellement, je vous invite à y aller si ce n'est pas déjà le cas. Eh bien, j'en parle de ce petit diablotin parce que c'est le seul personnage à avoir 6 capacités. Si vous connaissez un petit peu la licence, vous le savez, chacun des héros a 3 capacités distinctes. Sauf que là, notre petit diablotin, une de ses capacités, c'est justement d'avoir un mecha Z, qui lui-même a 3 capacités. Donc vous allez avoir 6 capacités avec ce personnage, et c'est quand même plutôt pratique. On va avoir également Super Cortex, qui se prend un peu pour Elvis, qui a une espèce de tourbillon assez efficace. On va le croiser probablement dans le multijoueur tout à l'heure. Et puis, Barbe Mort, par exemple, qui va vous permettre en tout cas d'incarner son perroquet. C'est assez marrant, ça va vous permettre de voler, d'attaquer vos ennemis par les airs. C'est plutôt cool. Mais comme je suis plutôt fleur, hein, on a plutôt la main verte à Gameblog, on va reprendre Petit Maïs. Donc voilà, personnalisation et choix, bien sûr, de vos persos. On va pouvoir, bien sûr, aller aussi à ce tableau-là, qui est le tableau des quêtes, qui va vous permettre donc de relever des missions annexes et de gagner des points d'XP. On va pouvoir aller consulter ici le salon des stats. Vous voyez, dans l'arbre mojo, c'est très mignon. Voilà, voilà, c'est mignon, mais on s'en va parce qu'on a, pas le temps. Et puis, on peut aller, bien sûr, s'entraîner dans ce jardin, dans ce front de jardin, puisque vous allez le voir, il est vraiment divisé en 2 parties bien distinctes. Les fleurs, vous voyez, c'est joli, c'est coloré, c'est mignon, avec un joli ciel bleu, l'arc-en-ciel et compagnie. Et puis, le côté des zombies, tout au fond, c'est plutôt ambiance Tim Burton, c'est pas terrible, il y a un cimetière, enfin, on n'a pas envie d'y aller, en fait, hein, donc on va pas y aller. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous préparer et vous entraîner avant de vous lancer dans le mode multi. Alors le mode multijoueur, c'est la deuxième partie de cette vidéo découverte. Eh bien, ce mode multijoueur va nous proposer de nouveaux modes, dont le mode assaut végétal, qui, comme son nom l'indique, va vous placer du côté des fleurs pour mener un assaut contre les zombies. Là, ça va être vraiment, vraiment très très cool. On peut jouer jusqu'à 24 joueurs. C'est vraiment fun, c'est dynamique, c'est plein d'humour. Vraiment, ce second épisode garde cet ADN-là, humour, fun, c'est très barré. Donc je trouve que c'est vraiment, en tout cas ceux qui ont aimé le premier épisode, vous allez tomber amoureux, c'est vraiment génial. Donc vous le voyez très facilement, on passe du côté du multijoueur, on va avoir tout un tas donc de modes de jeu sur 12 cartes, vous allez voir qu'ils sont toutes plus fun les unes que les autres. On va prendre du match à mort par équipe parce que quand même, mine de rien, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et vous allez voir, on va rentrer dans ce joyeux brouhaha. Jusqu'à 24 joueurs, en plus, ça peut décoller dans tous les sens. C'est hyper, hyper explosif, mais par contre, vraiment, ça reste toujours très lisible, très agréable à l'œil. On ne se perd pas, donc ça, vraiment, c'est une réussite. Mais 24 joueurs, ça peut être vraiment très fun. Ça tire dans tous les sens, que vous soyez du côté des zombies ou des fleurs. C'est vraiment très agréable. Le seul petit point noir que je pourrais relever, c'est effectivement une petite, comment dire, un petit déséquilibre entre les deux camps. Ça m'a pas forcément gêné en tout cas. Alors qui on va sélectionner? Bah du coup, qui on va prendre? Alors peut-être pas effectivement le capitaine, parce qu'effectivement, alors il a le perroquet, c'est très très cool, mais il boite, du coup je le trouve un petit peu lent. Donc on va plutôt prendre, allez, on va prendre petit diablotin puisque c'est mon préféré, et comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que donne Mecha Z. Vous verrez, il est très très rapide, très punitif.
Il est résistant et on va tuer plein de fleurs. C'est pas très bien parce qu'elles sont gentilles, mais quand même. Alors autre chose aussi concernant ce multijoueur, le système d'amélioration a été, le système d'XP a été amélioré. Hop, tiens, tu es méchante. Oh, regardez, ça part dans tous les sens. C'est vraiment très très fun. Donc ça a été amélioré. Chacun des personnages donc va pouvoir être augmenté, être upgradé indépendamment pardon des autres. À chaque fin de session, donc vous allez gagner de l'XP. Et un petit peu à la Call of Duty, vous allez pouvoir donc les faire évoluer jusqu'au niveau 10. Et à partir du niveau 10, eh bien, vous allez pouvoir changer de prestige. Vous allez augmenter de prestige. C'est-à-dire que tout comme dans un FPS, dans les FPS comment dire, traditionnels, eh bien, vous allez monter en grade, mais refaire un tour. Donc après, je ne sais pas exactement combien il y a de prestige. Je vous avouerai que je n'ai pas dépassé le premier prestige, même en jouant beaucoup. Mais en tout cas, c'est agréable de pouvoir améliorer ses personnages. Je vous conseille vraiment de jouer avec un maximum de personnages différents parce qu'ils ont vraiment tous une manière différente d'appréhender les parties avec des armes propres qui sont donc pas sales. Oh, ce jeu de mots dégueulasse, c'est pas possible, hein, il faut que j'arrête. Donc vous allez pouvoir vraiment utiliser des armes et des pouvoirs différents, c'est vraiment très agréable. On peut pas s'ennuyer, il y a une centaine de personnages à utiliser et c'est vraiment étonnant quoi. Même si vous n'êtes pas habitué au premier épisode, en plus c'est très facile à prendre en main, je trouve que... Vraiment, on s'habitue, enfin, on prend tout de suite le jeu en main, c'est confortable. Alors là, on a le mecha, ça c'est important. Donc vous allez voir, vous voyez, il est robuste, il est résistant et on va tuer plein de fleurs. Alors il n'est pas très rapide, mais c'est pas très grave parce qu'il est puissant. Où êtes-vous? Je vois que des petits zombiacs là, voilà. Donc vous allez voir, hop, on va... Une plante là, bonjour. Bonjour. Vous voyez, elles sont quand même malines. On va plutôt aller par là. Vous êtes où, là, les plantes? Il y en a par là-bas, vous allez voir. On va essayer de se faire un petit maïs. C'est bon, le maïs, en plus. Ah, toi, je t'avais pas vu. Où es-tu? Ah, non, t'es un petit zombie, que ça va. Donc là, vous voyez, hop, on s'est chopé une petite plante. Donc, vous voyez, il est vraiment très cool. Là, comme on dit à Marseille, on craint des gains. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre petite plante? Ah, par là, j'ai vu de la plante là. J'ai vu de la plante, tournesol là! Hop. Ah, voilà, et donc ça m'a éjecté. Donc vous voyez qu'en jouant avec Diablotin, on a quand même double chance de réussir. Oh, j'ai avancé dans le tas sans regarder, c'est pas très malin. Donc voilà pour ce mode multijoueur, en tout cas pour ce mode élimination par équipe qui est plutôt classique, mais voilà, quand c'est à la sauce plante versus zombie, c'est quand même toujours plutôt cool. 12 maps donc, jouables jusqu'à 24 joueurs, vous pouvez aussi jouer en coop, comme en solo, c'est vraiment assez complet comme expérience. Puis je vous le dis, moi je lui trouve très très peu de défauts, il est vraiment... très très cool. Encore une fois, mon test est dispo sur Gameblog, donc je vous invite à aller le lire. Merci d'avoir été avec moi pour cette petite vidéo découverte. Je vous fais plein de bisous et je vous donne toujours rendez-vous sur Gameblog très bientôt, bien sûr, pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests. À bientôt. Ciao !